Ivan Avramov, le directeur scientifique du laboratoire Kotor Pharma. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une plante qui est parmi les plus toxiques de France, c'est la ciguë. C'est une plante qui est utilisée depuis la plus haute antiquité et qui a été utilisée pour traiter pratiquement toutes les maladies. Bien sûr, elle n'est restée le traitement d'aucune du fait de sa toxicité. Elle a été employée par exemple comme antispasmodique, comme narcotique, dans le traitement du tétanos, de la rage. Elle a été utilisée comme antiépileptique, anticancéreuse, etc. etc. La toxicité de la plante est due à un poison qui est une neurotoxine qui s'appelle la conine. Et en fait, c'est un poison qui vient attaquer le système nerveux. Je vous en parlerai un peu après. Cette plante est très toxique et elle a causé un certain nombre de morts, dont le plus connu est bien sûr la mort de Socrate, qui a été rapporté par Platon. Je vais vous en parler après. Mais elle est aussi à l'origine de nombreuses morts par confusion avec d'autres plantes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle un de ses deuxièmes noms est faux persil. Je vais dans cette courte vidéo essayer de vous permettre de la reconnaître, de donner tous les caractères qui permettent d'éviter la confusion avec d'autres plantes de la même famille, parce qu'elle appartient à la famille des ombellifères, qui est la famille de la carotte. Et ensuite, je vous expliquerai quelques cas d'empoisonnement et le traitement, mais qui malheureusement est très faible contre cette plante. Actuellement, c'est le mois de mai. Je vis dans le sud et par exemple, elle est très abondante à l'entrée aux environs de Marseille, sur tous les bords de l'autoroute qui arrive à Marseille et dans les environs d'Aix-en-Provence. Pour bien reconnaître cette ciguë, je vais vous donner des critères d'identification qui sont importants afin de ne pas faire d'erreur. Alors la ciguë est une plante de grande taille en général qui peut atteindre les 2 mètres voire plus, et surtout elle a une mauvaise odeur au froissement, quand on froisse notamment les feuilles ou certaines parties de la plante. Elle appartient à la famille des ombellifères, ça veut dire qu'elle fait des fleurs que l'on appelle des ombelles, comme les fleurs du persil ou du fenouil que peut-être vous connaissez. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que ces fleurs sont petites par rapport à la taille de la plante. Ensuite, un critère important, la tige est très robuste, elle est creuse comme vous pouvez le voir sur les images. Et cette tige et la base des pétioles, c'est-à-dire la petite tige qui porte les feuilles, présentent des taches de couleur pourpre, de façon assez générale. Il arrive que la tige soit verte, mais les taches sont souvent présentes. Enfin, si vous ramassez la plante avec les fruits, ces fruits sont tout à fait typiques, ils présentent des côtes ondulées, crénelées, comme vous pouvez le constater sur ces images. Voilà un très beau pied de ciguë dont on dit qu'elle peut atteindre 2 mètres. Et vous allez voir, je vais me mettre à côté, que ça fait bien plus que ça. Si la ciguë est une cousine des plantes non toxiques comme le persil ou la carotte, ses graines, ses fleurs, ses feuilles et ses fruits contiennent un alcaloïde toxique, la conine. Même à petite dose, celle-ci peut être rapidement mortelle, les symptômes apparaissant dans la demi-heure suivant l'ingestion. Elle provoque des troubles nerveux et respiratoires pouvant aboutir à la mort par paralysie du diaphragme. Il apparaît des diarrhées, des vomissements et des paralysies qui peuvent apparaître dans les 3 heures qui suivent. Connue pour avoir été utilisée pour les suicides et les exécutions dans la Grèce antique, cette plante a notamment servi à tuer Socrate. En effet, un jour de l'an 399 avant Jésus-Christ, le philosophe Socrate se tenait debout face à un jury composé de 500 Athéniens. Et il est accusé de ne pas reconnaître les mêmes dieux que l'État et de corrompre la jeunesse. Socrate fut condamné à périr empoisonné en buvant une coupe de grande ciguë. Platon, qui n'assista pas à la fameuse mise à mort, a relaté son décès dans son ouvrage Phédon, et qui nous permet de connaître la fin de Socrate. L'histoire humaine est parsemée d'intoxications avec cette plante. Les gens pensent en ramasser d'autres ombellifères, parfois comestibles, comme du persil sauvage ou alors des racines de carottes sauvages. Quand elle est encore jeune et que c'est une jeune pousse, la ciguë a aussi été confondue avec du cerfeuil sauvage, alors que ce dernier est beaucoup plus petit. Il n'a pas les
taches pourpres sur la tige. Il ne sent pas mauvais comme la ciguë et les fruits sont allongés, cylindriques et pas côtelés. Il n'existe aucun traitement à un empoisonnement à la ciguë. Il n'y a pas d'antidote. Et si quelqu'un vient à consommer de la ciguë, il faut lui donner le plus rapidement possible du charbon actif et ensuite l'hospitaliser afin qu'il soit pris en charge et qu'il bénéficie d'une respiration artificielle. Voilà, vous l'aurez compris, la morale de cette histoire est que quand on veut ramasser des plantes médicinales ou des plantes comestibles, il faut toujours très bien connaître la plante que l'on veut ramasser. Il y a toujours un risque avec des plantes qui sont fortement toxiques.